Je suis en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, partagez ce direct. Vous savez, normalement, je ne devais pas faire le direct. C'est parce qu'il y a tellement urgent. Il y a tellement urgence que je me suis levé pour faire le direct. Sinon, je ne ferais pas. C'est parce que j'ai vu que je peux traîner et je mets les mains sur la tête. Voilà pourquoi je sors. Parce que c'est pour stopper ce qui veut se passer à l'AIS. Et maintenant, il y a une autre urgence. Barbeau. Le mariage de Barbeau. Adam, le mariage de Barbeau que vous avez créé. Le mariage de Barbeau que vous avez célébré. Le mariage de Barbeau. Le mariage de Barbeau. Le mariage de Barbeau qu'on a célébré. Barbeau, Barbeau, Barbeau. On est là-bas, Maria, Maria. C'est là-bas que la mort est entrée. Dans le mariage, là, on a mis la mort dans le pot de Barbeau. Oui. Dans le mariage, là, on a mis la mort dans le pot de Barbeau. Barbeau est déjà sélectionné pour la mort subite. Barbeau est déjà dans le pot. Il est en main. Si nous ne levons pas les mains, on va entendre quelques jours, nous allons entendre que Barbeau est éliminé de la liste électorale parce qu'il est mort. Non pas seulement éliminé, même encore, il est mort. Barbeau, le marais là, va apporter trop de problèmes à Barbeau. Ça va sécher tout ce qu'il faisait, ça va l'amener trop dans les problèmes, Barbeau. Vraiment, si quelqu'un aime Barbeau, qui se met à genoux parce qu'il est déjà, il y a déjà un cercueil préparé pour lui, dans le marais là, ils ont tout organisé dedans. Voilà. Et la mort de Barbeau est imminente, là, là. Voilà pourquoi j'ai anticipé sur les vidéos. Non, il y avait la mort d'Ibrahim Traoré qui était devant moi fraîche et la mort de Barbeau qui m'amenait à anticiper les vidéos. Voilà ce qui m'amène à anticiper. Il y a d'autres choses que je profiterai pour parler.